Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis frigorifiée. Frigorifiée. Bon, comme j'ai pas encore remis les continents dans mon jeu de cartes, on va faire le tirage France pour cette semaine, d'accord? Donc, du 28 novembre au 5 décembre. Je vous baisse l'écran sur les cartes. Voilà. Alors, on va faire comme les tirages qu'on a fait hier. On va prendre, voilà. La réponse angélique, ok? Et comme ça, on va voir déjà ce qu'ils ont à nous donner comme message. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 au 5 décembre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, regardez, on nous parle de compromis. Alors, on va les mettre ici. Voilà, alors, des compromis. Bon, on va encore nous faire du chantage. Alors, ah. On est qui grave. Alors, du 28 novembre au 5 décembre pour la France, s'il vous plaît. Quel message pouvez-vous encore nous donner? Oh, alors, on nous en donne encore deux. Demandez à vos anges et abondance. Bon, alors peut-être qu'il va y avoir un compromis, hein, voilà, comme c'est dit, et que il y a quelque chose quand même qui va s'améliorer. Quand même, hein? Bon. En tout cas, bah, on l'espère parce que bah, quand il y en a marre, il y en a marre, il y a mal à barre. Et puis en plus, vous avez vu hein, le nom de ce coco, bizarrement, hein, ça ne vous fait penser à rien. Alors, bon, bah, ça ne va pas vouloir aller. Compromis, demandez à vos anges et l'abondance. Voilà. Bon, bah, écoutez, on a déjà ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va prendre ce jeu ici. Alors, s'il vous plaît, pour la France, pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre, que pouvez-vous nous dire pour la France? S'il vous plaît, pour la France. Alors, on nous dit communication et aimer. Donc, rester dans l'amour et surtout communiquer avec les autres. D'accord? On nous parle de culpabilité aussi. Alors, on nous dit non. Alors, s'il vous plaît, pour la France, pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre. Alors, on a l'argent, fascinant, jeu et partage. Alors, je ne sais pas ce qui va être fascinant, hein, mais en tout cas, alors. Ils vont encore nous faire un speech, voilà. Et habitude. Bon. Alors, on va recouvrir avec celui-là. Alors, s'il vous plaît, communication, semaine du 28 novembre au 5 décembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Une femme qui va nous annoncer quelque chose. Aimer, donc les réunions. D'accord? La culpabilité, s'il vous plaît. Pour qui? Pourquoi? Culpabilité, s'il vous plaît. Semaine du 28 novembre au 5 décembre. Alors, pour les projets. Bon, alors, moi, je pense qu'il y a une femme qui va nous annoncer quelque chose, d'accord? On nous demande surtout de bien rester unis, de communiquer. Les réunions, c'est ça, d'accord? Et même ceux qui culpabilisent de ne pas avoir bien compris au départ, d'accord? Maintenant, il faut qu'ils s'unissent aux autres pour pouvoir se projeter dans l'avenir, pour prendre des décisions, d'accord? Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre, pourquoi vous m'avez sorti la carte du non? Non quoi? Non quoi, s'il vous plaît? Pourquoi le non? Pourquoi le non? Alors j'entends qu'il y en a qui vont encore pas être d'accord et qui vont refuser. Bon. S'il vous plaît, pourquoi le non pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre? Alors, non au voyage, au déplacement, d'accord? Hein.
Donc, on va encore nous bloquer. Alors, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû chercher après ma planche de datation, on aurait fait pour voir le confinement, on allait dire. Concernant l'argent pour cette semaine. Alors, il y a quelque chose qui en fécondité. Il faut de la patience. Il va falloir réfléchir aussi. Il va falloir être à l'écoute. Qu'est-ce qui va être fascinant? Le verdict, le résultat d'une action. Concernant le travail, donc certainement que ceux qui ne sont pas picousés, qui ont perdu leur travail, hein, pourront repartir travailler parce que j'ai le verdict, le travail et les contrats. Alors, s'il vous plaît, pour la France, pourquoi le jeu? Pourquoi vous nous avez sorti le jeu? L'argent, voilà. Vous voyez, ils sont vraiment en train de jouer pour l'argent. Le partage. Pourquoi le partage pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre, s'il vous plaît? Pourquoi le partage? Pouvez-vous nous compléter partage pour cette semaine? Oula. Alors, il y en a beaucoup trop. Hein. On va prendre que celles qui se sont retournées. Donc, l'échec, les erreurs, d'accord? Les obstacles. La culpabilité, l'angoisse, dépression. Le retour. Donc, on revient sur les décisions. Donc, pour moi, ça va concerner aussi le travail. Hein. Donc, il y en a, moi j'entends médical, ils pourront repartir travailler sans pécouse, d'accord? Par contre, les autres, moi je vois, voilà, qu'ils vont être ben, en télétravail. Hein. Il va y avoir des obstacles, d'accord? Alors, il faut être aussi dans le partage et faire des recherches par rapport à tous les mensonges qui se passent actuellement. Ok? Habitude. Pourquoi habitude? Est-ce que vous pouvez nous compléter habitude, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous compléter habitude, s'il vous plaît? Alors, habitude. L'homme. Voilà. Et on a la tranquillité, donc l'harmonie. Il va falloir prendre l'habitude, je pense, de vivre en harmonie, en famille, à la maison. Moi, l'homme, c'est ça, vous savez, c'est l'époux, le père, l'ami, le fils, le collègue, hein, voilà. Pour pouvoir se libérer, d'accord? Est-ce que vous pouvez nous compléter? Habitude, homme, tranquillité, s'il vous plaît. Alors, on a ici. Voilà, vous voyez, c'est ça, hein, l'origine, l'hérédité. Donc, l'origine, les parents et tout ça, voilà. Et c'est un cadeau. C'est une bonne action. Être généreux, d'accord? L'entraide, l'aide pour pouvoir se libérer et renaître. Voilà ce que j'ai. Bon. Alors, ben, écoutez, moi, je pense qu'on risque quand même d'être, voilà. Ouais. Mais je vois pas qui c'est cette femme qui va faire, qui va communiquer quelque chose, là, hein, d'accord? En tout cas, moi, je vois bien quand même la communication par une femme. Voilà. Donc, on va voir soit des vérités qui vont sortir, hein, soit, je sais pas, hein, le truc du travail. C'est une bonne femme, je crois, celle-là. Hein. Non? Je sais plus. Je sais pas trop, moi, vous savez, je m'intéresse pas trop avec leur connerie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le tarot égyptien en premier. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre en France. En France. Alors, on a espoir, projet, présage et aide. Bon, regardez l'espoir, d'accord? On a peut-être quand même une sortie de secours. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre, dispute, querelle avec le tyran, hein? Hmm.
Alors, ici, on a le tyran. Donc, des disputes, des querelles, orgueil, ténérité. En face, on a le repos. Donc, vous voyez, là, pour moi, le tyran, il est en train de se disputer, de se quereller, parce que, ben, il veut nous foutre au repos, hein, donc, à la baraque. Ouais, à la baraque. Ici, on a le 10 de bâton. Donc, des obstacles, des désillusions. Voilà. Donc, ils vont nous refoutre dans la merde, comme d'habitude. Ici, on a le valet de coupe. Donc, vous voyez, c'est l'étude, la réflexion, la considération. Donc, ils sont bien en train de réfléchir pour nous claquer au repos. Et voilà, vous voyez, on a le 10 d'épée, hein, douleur, malchance, ruine et deuil. Bon. Donc, ça, on n'est pas sauvé de l'auberge. Bon, normalement, c'est pas maintenant qu'on veut être confiné, mais ils vont peut-être commencer par, travailler à la maison et tout ça, hein, parce que vous savez, avec leurs nouveaux cocos qui nous ont conduits, là, voilà, hein. Alors, attendez, je regarde quelque chose deux secondes. Alors, celles qui sont tombées, c'est As de terre, vous nagez dans l'abondance, document ou contrat important. 5 de terre, inquiétude relative à l'argent. Acceptez l'aide d'autrui. Ici, on a l'unité, donc point de vue aux méthodes d'inspiration traditionnelles. Trouvez-vous des mentors, voilà. Attention à vos mentors. Et chevalier d'air, vous voyez, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Alors, il faut savoir, il y en a qui me disent, ouais, ben ils sont plus là, mais il y a encore le coco qui continue et tout. Ben, il faut bien qu'il y ait des acteurs, d'accord? Et puis, regardez sur mon Facebook, il y a des codes par rapport à ça, d'accord? Celui qui a attrapé le coco, celui qui est en quarantaine, et patati, patata, tout ça, c'est des codes, ok? Alors, pour la semaine du 28 au 5 décembre. Ça, ici, on va mettre là. Ça, on met là. Celle-ci, et... Oh, mais il y en a deux pour la conclusion. Donc, on va les prendre, d'accord? C'est important parce que, voilà, c'est que ça a quelque chose à nous dire. Alors, ici, ici, sur le tyran, on a le chevalier d'eau. Donc, une invitation à un événement social. Donc, peut-être qu'il va être invité ailleurs, hein? Le repos. As de terre, donc document ou contrat important, donc un arrêté, encore une fois, hein, vous savez, voilà. Sur le roi de 10 de bâton, obstacle des illusions, on a bien le magicien, d'accord? Mais sur ces obstacles-là, on nous demande de les manifester. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, donc il faut être en désaccord avec ça, d'accord? Faut arrêter de dire amen à tout, c'est pas possible, hein. Regardez, ici on a le valet de coupe et ici le 8 terre. Donc vous voyez, ils sont bien en train de préparer un coup, ils sont en étude, ils sont en train de réfléchir. Mais ici, le tarot des anges nous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir, d'accord? Donc, il faut, voilà, ils vont essayer de nous remettre des limites, d'accord? Mais c'est une impression illusoire. Donc, il ne faut pas obéir, ok? Ici, sur le 10 d'épée, donc douleur, malchance, on a le 7 de terre. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Et dessus, on a le 6 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Ça correspond encore à ce que je vous ai dit. On va être encore restreint.
confinés, peut-être, voilà. Mais c'est vraiment, voilà, pour que les choses s'améliorent. Une situation difficile qui connaît son dénouement, d'accord? Donc, c'est vraiment pour finir le ménage, ok? Et il est fort possible qu'on soit reconfiné ou vraiment limité, parce que ici avec le 7 d'air, hein, vous voyez, on vous dit, hein, s'accorder une pause temporaire, c'est que temporaire, d'accord? Moi, je vous dis, ça ne va pas durer longtemps, hein, voilà, ça ne va pas durer longtemps. Alors, comme on arrive à la fin, on va faire des tirages un petit peu plus longs, hein, peut-être, voilà, c'est vraiment nécessaire. Donc ici, voilà, on va faire comme ça. Et on va voir ce que les archanges vont nous dire. Alors, archange Raphaël, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre, que pouvez-vous nous dire, archange Raphaël, pour cette semaine en France? Cette semaine en France. Alors, on a la connexion. Bien être en connexion, d'accord? Être bien ancré, être en connexion avec l'univers et rester dans l'amour. Connexion et amour. D'accord? Important, hein? Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre. Ascension. Ça veut dire qu'on avance, d'accord? Il faut avancer. Il faut passer outre tout ça et on a l'harmonie. Donc, il faut avancer et vivre dans l'harmonie. Ne plus avoir peur, ok? Archange Uriel, s'il vous plaît, Archange Uriel, pour cette semaine, 28 novembre et 5 décembre 2021. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France, s'il vous plaît? Pour la France, 28 novembre au 5 décembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour la semaine du 28 novembre au 5 décembre. Alors, on a connaissance. Donc, il va falloir prendre connaissance de certaines choses, d'accord, pour retrouver, regardez, notre liberté. On va le sortir, cet oiseau de la cage, vous voyez? Regardez, il va pouvoir s'envoler, battre de ses propres ailes, hein? Et vous voyez, ça correspond bien aux cartes qu'on avait sorties ici. On va encore nous mettre un compromis dans la gueule, d'accord? Il faut demander l'aide des anges, d'accord? Pour aller vers quelque chose de meilleur. Archange Michael, s'il vous plaît, créativité. Donc, il va falloir créer des choses, d'accord? Et la justice. Alors, il y a peut-être la justice aussi. Il y a peut-être des procès en cours, hein? Ok? Qui va ramener un équilibre à tout ça. Archange Michael, s'il vous plaît, pour la semaine, pour cette semaine en France. Voilà. Sagesse. Voilà. Donc, on vous demandera d'aller vous battre. Hein. La sagesse, c'est, voilà, méditer et tout ça, et puis reprendre notre vie en main. OK? Il n'y a personne qui a le droit de décider pour nous. Ça, c'est quand même pas possible. Hein. Ah non, hein. Alors, avec mon jeu, on a les secours, donc le soulagement, un soutien, d'accord? En tout cas, on va s'entraider. On a l'automne. Donc, il va falloir négocier, on doit s'adapter, d'accord? Il va falloir composer pour harmoniser les échanges. Donc, vraiment, hein, vous voyez, s'entraider, hein, d'accord? Être dans l'amour. Alors, s'il vous plaît... Être dans l'amour, hein. S'il vous plaît, pour cette semaine, 28 novembre au 5 décembre. Alors, c'est marrant, je ne sens pas ce confinement pour cette semaine, hein, mais bien que ce nouveau coco qui est sorti, là, attention, hein, alors on l'entend partout, et alors il paraît que c'est coucou, très très dur. Encore des épreuves, hein, voilà. Beaucoup vont regretter, hein, voilà, beaucoup vont être désolés de ce qui se passe, mais regardez, c'est pour faire tomber les masques, ok? Alors, s'il vous plaît, j'ai pas ma planche de datation sous la main, je ne sais plus où je l'ai mise. Alors, vous voyez, regardez, on a quand même la pile, hein.
Donc, on nous vole quelque chose. On est privé de liberté. OK? Mais là-dessus, regardez, on a le soleil. Donc, il faut rester positif à ça, d'accord? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. OK? Et regardez, c'est un cadeau. Voilà. Changement de situation, amélioration. OK? Métamorphose. Un cadeau pour changer les choses. Et en bien, puisqu'on a le soleil. OK? Et puis, le papillon, c'est l'amélioration. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. On l'a vu ici, avec l'abondance. OK? Voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'était pour la France pour cette semaine. D'accord? Je ne vais pas vous tirer des cartes des anges et tout, parce qu'on va faire la guidance après pour la France, hein, pour savoir qu'est-ce qu'ils nous conseillent de faire et tout. OK? Donc, déjà, ici, on a quand même quelques détails, hein. On nous dit de prendre connaissance, d'accord, de vivre en harmonie, de se connecter, ok, voilà, donc il faut continuer comme ça, voilà, bon, on va voir après les autres messages, parce que de toute façon il y en aura d'autres, on va demander au guide, on va demander aux anges gardiens et tout ça, hein, donc, et puis on fera aussi avec Just Be, hein, voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.